De retour pour la grande finale de cette ultime décathlon saison 2. Il ne reste plus qu'une épreuve. Je suis avec Twin et Dorian. Alors, un mot avant de se lancer dans cette dernière épreuve. Ah bah la bonne chance pour les compétiteurs parce que Spelunky, ça va être pas du gâteau et ça va être éprouvant, je pense. Il y a des même psychologiquement, c'est un jeu où faut tenir parce qu'il y a des morts qui peuvent ne pas être si punitifs que ça dans le fond, mais qui psychologiquement font mal et qui du coup peuvent retourner un peu aussi l'ambiance d'une run. Ouais, carrément, c'est surtout ça, c'est la résistance des runners aux situations frustrantes qui va payer là. Surtout que c'est particulier Spelunky pour du speedrun, parce que c'est un jeu qui de base punit la précipitation. Donc y aller vite, c'est une contrainte supplémentaire. Je pense qu'il y a des jeux qui deviennent plus faciles quand tu vas vite. Je pense pas que ce soit le cas de Spelunky. Est-ce que on irait prendre quelques mots rapidement de Cute Shadow et Brother Main qu'on irait chercher pendant qu'on présente, qu'on mette le clip de Spelunky? On les prendra pas trop longtemps parce que je pense qu'ils sont hyper concentrés. Et ça se trouve, ils déclineront, ils diront non, je suis trop concentré. Non, jamais. On va voir, mais je pense que ils vont accepter. Le clip, dans tous les cas, on se retrouve juste après. Nous sommes avec Brother Main et Cute Shadow. On va commencer par interroger Brother Main. Brother Main, évidemment, un petit peu, comme il le disait en off, déçu par Gremlins. Mais du coup, un Spelunky peut-être prometteur. Mais il disait, tout compter, tout mettre sur Spelunky, c'est dangereux. C'est bien ça? C'est dangereux et c'est très peu productif en général. Si tu te dis, je vais peut-être gagner le tournoi grâce à Spelunky, bon, c'est pas une très bonne idée. Ceci dit, je comprends que tu sois un petit peu déçu, le mot est peut-être un peu fort, t'es à 1706, ce qui fait que même si tu n'es que quatrième, parce que déjà, Cute Shadow n'est que 2 points devant, tu es quand même devant la barre qu'on avait mis des 1865 points, t'es devant de 16 points par rapport à ce qu'on avait fixé, ce qui fait que techniquement aujourd'hui, t'es juste, entre guillemets, quatrième, à part, on peut mettre ça sur le compte d'un Gremlins 2 un peu timide, mais c'est surtout que globalement les joueurs ont fait des grosses perfs, donc c'est surtout à mettre au compte des autres, j'ai l'impression. Bah ouais, mais du coup, la limite des 1975 ou 65, je sais plus, c'est bien, mais si on est 4 au-dessus, ouais, ça veut un peu dire gros. Ouais. Non mais c'est fou, hein, comme quoi, là c'était des chiffres basés sur les entraînements faits en décathlon lors des 10 jeux. Et là, les gens se surpassent aujourd'hui. Hormis Tifa qui va faire moins que ce qu'il a l'habitude de faire, les autres font plus que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ça se centre, tout se recentre un peu, j'ai l'impression. Et là, c'est loin d'être joué parce que globalement, bon, à part là, Cladol, ça va être un peu compliqué, il faudrait 200 points sur Spelunky. Mais vous quatre, enfin, vous deux notamment, vous êtes certes respectivement 3e et 4e, mais ça reste jouable, modulo un bon Spelunky. Oui, on n'est pas à l'abri d'une run qui se passe bien aussi. C'est bizarre de formuler comme ça, mais on est. Déjà, tu termines la run. Ah bah merde, ah bah j'ai fait un bon temps, tiens. Ah bah, il m'attendait pas. 25. Oh. Mince alors. Ouais, mais je sais que Bro, toi, c'est un jeu on en a parlé quand t'étais passé. C'est un jeu que que t'as tendance à pas aimer. Un peu mieux maintenant avec l'ultime décathlon, mais c'était un jeu que t'aimais pas à la base. Non, j'aimais pas du tout à la base parce que j'aime pas les jeux générés procéduralement, enfin, pas en speedrun en tout cas, c'est un peu de la merde pour moi comme Gremlins 2 hein, de toute façon, voilà, bon, c'est pas procédural mais bref, ouais mais c'est clair, t'aimes bien les jeux déterministes. Alors Cute Shadow justement, c'est pareil, comment tu te sens avec ces 1708 déjà, a priori t'es sans doute déjà content de ce score? Ah ouais, ouais, complètement. Et puis du coup, là, la qualif est presque à portée de main, mais j'ai envie de dire, comme vous êtes tous très bons, même cette super performance pourrait ne pas suffire. Donc comment tu te sens avant Spelunky?
Si on devait exclure Spelunky, je me dirais que j'ai fait une bonne perf, mais bon, ça va être. Faut vraiment que les gens demain. Faut qu'il y ait des petites erreurs pour que je puisse passer. Mais avec Spelunky, je peux faire du sub 30. Alors, sub 30, je l'ai fait cette semaine. J'ai pas mal bossé le jeu récemment pour essayer de faire sub 30, donc j'ai déjà réussi à le faire, mais bon, c'est vraiment pas garanti. Et voilà quoi, ça m'arrive encore régulièrement de faire plus de 40 minutes, ce genre de choses. Donc bon, Spelunky, c'est vraiment le qui tout double. Donc soit je vais gagner quelques points sur Naruto, ce qui m'étonnerait un petit peu, soit je vais en perdre peut-être 20, voilà, ça peut arriver ça. Donc bon. D'accord. Je préfère jouer, me dire que je vais faire du mieux que je peux et puis pas trop me mettre la pression. On verra bien ce que ça donnera quoi. Eh ben bonne chance à vous en tout cas, parce que merci. On en aura besoin, je crois. Ouais. On se reparle à la fin de la run, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Quitte à déborder un chouïa pour au moins avoir, parce qu'il y a des gens pour qui du coup en fonction du score ce sera le dernier tournoi. D'autres ils seront un peu en suspens en mode ça dépend de demain, c'est peut-être pas fini. Mais là la barre est haute, hein. Je pense que même les gens pour demain ils sont fébriles. Demain ça va leur foutre une pression mais maximale. À part Mila, je pense pas que Mila ait la pression. Ouais, Milet, je pense qu'il est là pour la première place, donc c'est ça qui va lui foutre la pression. Ouais. Ouais, c'est probable. J'ai vu sur le chat que Milet avait fait des pronostics qui s'avèrent assez justes sur déjà la première journée de Décathlon. Quoi, il avait dit quoi? Je sais pas, mais. je vais rapporter ce que je vois sur le chat. Ça c'est vraiment l'important, c'est de pas être précis. Milet, il a dit. J'ai fait un bon pronostic. Ouais, il a fait un bon pronostic. Mais s'il a rien écrit, c'est pas difficile. Bah quoi qu'il en soit, bonne chance du coup. Cult Shadow et Bro. Alors du coup, Twin et Dorian, donc Spelunky, jeu particulier. Est-ce que Dorian, tu nous rappellerais un petit peu les briques de gameplay, puis ensuite Twin, mais justement les moments forts et les particularités en speedrun. Donc les briques de gameplay sont assez simples. On a un petit personnage qui peut marcher ou courir, sauter et taper. Il a deux ressources différentes qu'il peut utiliser, que sont les bombes et les cordes. Les bombes permettent de faire des trous dans le décor et les cordes permettent de travailler sur la verticalité. À côté de ça, on a des niveaux qui sont générés procéduralement sur un système de grilles qui va faire des niveaux différents à chaque fois qu'on recommence le jeu, avec en plus des niveaux spéciaux, par exemple des niveaux qui sont dans le noir ou des niveaux avec des boss. Et à côté de ça, il y a aussi tous les ennemis qui ont des comportements spécifiques qui peuvent interagir les ennemis et les marchands, par exemple, qui ont des comportements spécifiques qui peuvent interagir les uns avec les autres. Ce qui fait qu'il y a aussi toute une part de choses qu'on ne peut pas prévoir qui peuvent se passer. Dans le genre, quelqu'un, un monstre qui va attaquer un marchand hors de l'écran et qui va déclencher des trucs pas prévus du tout qui peuvent complètement changer la partie. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu ça d'ailleurs. Ouais. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Et donc ça va être parti. Donc Twin, du coup, là, les moments forts de ce speedrun, peux-tu nous les rappeler ? Alors ce speedrun, donc dans ce monde généré procéduralement, on doit débloquer, remplir des quêtes au nombre de 9. Donc elles sont rappelées sur le côté gauche de l'écran. On va commencer par le tuto et ensuite on va devoir ramener une bombe à la fin du premier monde, puis une corde, puis 10 000 dollars, c'est l'argent, c'est les points du jeu. Ensuite on va devoir ramener deux bombes, puis deux cordes, puis le shotgun à la fin du deuxième monde. Et enfin trois bombes, puis trois cordes, puis la clé à la fin du troisième monde. Donc en gros, les gros moments sont le moment sur le deuxième monde avec l'apogée avec le shotgun, donc les deux bombes, les deux cordes et le shotgun, ça va être un moment très intense dans le speedrun. Et enfin, le moment de la clé qui est spécifique parce qu'il faut revenir tout au début du premier monde et ramener la clé à la fin du troisième monde, donc il y a beaucoup de choses à faire. Sachant qu'il y a parfois des resets sur le premier monde parce qu'on n'a pas trouvé la clé, on sait qu'elle est entre le niveau 2 et le niveau 4 du premier monde, et parfois on est passé à côté. Et puis on arrive au niveau 4, et on fait « Ah merde, j'ai pas vu la clé ». Et rappelons aussi quand même, dans ce All Shortcuts plus All Mech, du coup, comme son nom l'indique, cette catégorie, on tue aussi All Mech, qui fera un petit peu office de dernière quête, et ça peut causer quelques soucis, même si là, globalement, on a des bons joueurs, donc normalement, ils sont assez réguliers, mais même les bons joueurs peuvent parfois patiner un peu dans le temple. Tout à fait. Ouais. Donc c'est le troisième moment souvent aussi où il peut se passer. C'est ça, parce que les strats qu'on peut faire à Olmec sont dépendantes des ressources qu'on a. Donc si on arrive par exemple à Olmec avec peu de bombes, on est un peu coincé. Il faut mettre en place des backup strats qui sont plus compliqués, qui peuvent s'avérer du. Il y a en fait énormément, il y a des strats très agressives avec très peu de bombes, mais les strats les plus agressives sont très punitives, sont très difficiles. Après il y a les strats genre
prendre bon, on arrive, on fait un gros trou. ça, c'est ma spécialité. Je pense pas qu'on en voit aujourd'hui. Parce que c'est un peu technique, faut récolter 30 bombes, donc c'est quand même, il y a tout un routing spécial. Et ça ne peut se faire qu'en enchaînant la clé, Olmec, surtout. Le premier try, c'est le meilleur, sinon c'est trop dur. Voilà. Et donc, les runners vont bientôt commencer. Ils ont mis leur petit split, tous, pas tous. Ouais, donc les runners vont. Je trouve le public plus bienveillant que d'habitude. D'habitude, en début de run, il y en a plein de gens qui gueulent en demandant des morts au 3-4 avec la clé. C'est pas le cas ce soir. Non, mais personne le souhaite. Aujourd'hui, c'est normal parce que c'est une fin de saison. Même si c'est tragique et il y aura quand même des rires et des pleurs, le truc, c'est que c'est quand même plusieurs mois de décathlon. Les gens ont envie. On a plus envie que les gens soient contents de leur perf, évidemment. Quoi. Ouh, Kill Shadow a failli oublier de resetter sa sauvegarde parce qu'on commence sur une sauvegarde vierge. Et voilà, c'est parti. Tout de le justesse, monde hein, prend Kill la Shadow. Corne. Donc voilà, encore une fois, les gens qui ont des petits lags ont un petit décalage lié au stream, mais vous inquiétez pas, ils sont avec nous. Donc on commence par le tuto, on est obligé en fait, c'est pas par plaisir qu'on le fait, c'est le seul moment non aléatoirement généré du jeu, donc tous les runners vont faire à peu près la même chose, le niveau est identique pour les 4 joueurs. Il arrive qu'il y ait des morts au tuto, même si c'est pas très punitif du coup. C'est très très rare, mais ça arrive. Mais c'est très 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 rare quand même. Il y a très peu de variance, hein. Comme c'est déterministe, comme le disait Twin, c'est quelques secondes de variance. Donc en gros, et au pire, c'est pas très grave. C'est pas une mort très punitive. On a vu des gros. Il y a rien runners qui se joue ici, a priori. Non, non, non. On n'est pas dans le top niveau mondial où quand on veut faire sub 20 systématiquement, là tout de suite, une mort au tuto est horrible. Là, pour un sub 30, ça va quoi. Là, la question, c'est le facteur confiance, le facteur impact psychologique. Il faut faire attention à pas perdre ses moyens sans raison. Evin Kaiser, pour l'instant, a fait un très bon tuto. Brother Main ne fait pas la même strat que Devil Tifa. Attention à pas s'exploser les bombes dans les mains. Ouais. Mais voilà, tout le monde fait un tuto normal, tout va bien. C'est vrai qu'il y a deux strats pour le tuto. On fait le tour, on met les bombes, c'est bon. C'est vraiment deux écoles, la variance est pas énorme, hein. C'est foncièrement. Hein. Comme ça, je joue pas là, c'est pas grave. Alors, les mines, c'est la première série de niveaux qui est assez simple, mais il y a quand même quelques pics qui nous tuent, il y a quelques pièges qui nous enlèvent. Ils envoient une flèche qui nous tue, ils enlèvent deux cœurs. C'est souvent les plus difficiles. Ouais, je trouve que les pièges du monde 1 sont les pièges les plus ardus quand même, malgré tout. Parce que quand on les voit, ça va. Mais il arrive que quand on se déplace de la droite vers la gauche du niveau, particulièrement, il y a parfois le petit piège un peu planqué qui te met une flèche en pleine tête. Bah, en fait, le jeu développe un certain nombre d'outils, qui est par exemple le bouton bas qui fait que la caméra va se déplacer. Du coup, on a une bonne lecture au niveau de la verticalité. Et au niveau de l'horizontalité, c'est pas forcément terrible parce que quand on court, on voit pas forcément bien et on peut se prendre un tir de serpent bleu ou un piège. Et là, c'est inévitable. C'est la guerre de l'information, Spelunky. Donc, les joueurs vont très très vite et il faut analyser extrêmement rapidement l'environnement qui nous entoure. Par contre, quand on regarde vers le bas, comme Devil Tifa vient de faire, toujours à chaque fois qu'ils vont descendre, ils vont utiliser le bouton bas pour regarder. Là, on est obligé, le jeu impose un rythme assez lent et donc on a beaucoup plus de temps pour analyser tout ça. Ça dépense beaucoup de bombes quand même. Je vois que Devil Tifa a déjà plus que 2 bombes alors qu'il est en train d'essayer de les livrer. Alors ça c'est normal il faut rendre une seule bombe et toutes les ressources que tu ne vas pas utiliser sont des ressources gâchées. D'accord. Donc la run optimale en fait utilise 3 bombes et 4 cordes pour tuer des ennemis, pour déclencher des pièges, pour assurer les choses. C'est pour ça que Devil Tifa arrive tout de suite et ensuite on se suicide pour pouvoir commencer la deuxième quête. Donc c'est normal, le petit reset ici. Sur les premières quêtes du monde 1, en plus, les mondes spéciaux sont pas trop. C'est pas très grave de tomber sur un niveau où il fait noir. Alors, les araignées, je peux te dire que des fois t'es pas content, hein, parce que t'as du mal à passer. Naruto, petite flèche avec le rebond. Bro qui tombe dans les pics. Ah, c'est pas grave. Là, il faut vraiment pas perdre ses moyens. C'est normal de mourir dans Spelunky. Bro qui ramasse une petite souris et qui la sacrifie pour pas mourir. Les souris sont nos amis. C'est vrai qu'on pense pas forcément à récupérer les petits animaux. Moi, le premier, je pense pas. Je prends les vaches, je prends tout, mais pas les petits animaux. C'est vrai qu'on a tendance à croire que ça fait partie du décor. Ah, mais rien n'est laissé au hasard dans ce jeu où c'est vraiment des briques de gameplay très simples qui forment un univers complexe. C'est ça la richesse formelle de ce jeu. Bon, Devil Tifa qui joue pour l'instant relativement assez agressif là, sur le niveau précédent, mais à ce niveau-là du jeu, c'est encore possible d'y aller un peu à donf comme ça. Ouais, mais regarde là, dès qu'il y a plein d'éléments à l'écran, il est allé tout doucement. Oh, attention, il y a beaucoup d'ennemis là, mais c'est normal.
C'est marrant, c'est Spelunky, ça, c'est un benchmark de la vitesse à laquelle vous savez lire et vous connaissez le décor. Et c'est un peu comme les échecs, hein, les échecs, il faut connaître toutes les positions et ensuite on sait réagir, et Spelunky c'est pareil. Naruto Sab est premier, il a terminé avant Devil Tifa même. Hein. Donc ils sont, c'est très très serré globalement. Alors, c'est Vin Kaiser... là qu'on voit la mort de Naruto Sab a été très très peu coûteuse. Ah, par contre, Vin Kaiser n'est pas en HUD Pro, donc on voit pas le niveau. Ah, mais il est au 1 et 4. Et il nous indique même pas quelle quête il fait, j'ai l'impression que je ne le vois pas. Non, c'est peut-être dessous, effectivement. Moi, avec le hangout, je ne le vois pas non plus. Alors, bro, c'est bon, termine. Donc, c'est finalement pas si punitif, il est revenu. C'est vrai, il faut pas paniquer. Hein. C'est pas trop. Mais psychologiquement, ça peut jouer beaucoup. Curieusement, c'est les jeux longs. Comme Spelunky, c'est très démotivant parce que quand on est en grind, on reset, on s'en fout. Et en race, on doit continuer, donc on sait qu'on va déjà pas faire un temps de ouf. Mais on faut quand même, si on vise seulement entre guillemets le sub 30, on peut y arriver. Quoi. Et parfois, il y a même des choses qui sont des erreurs et qui sont pas punitives du tout, mais que qui peut déstabiliser les joueurs. Je sais que notamment sur une fin de la dernière quête du niveau 1, qui est pas très violente, on a oublié un peu de grind des lore parce qu'on veut aller vite, et on arrive à la fin du niveau 1-4, on n'a pas 10 000 d'or, et on se dit « Ah bon, je vais perdre du temps !» Deuxième mort de Naruto Sab, cette fois-ci au 1-3, ça coûte un peu cher. Bro qui a besoin de 10 000, comme tu le disais, Dorian, et Tifa qui a déjà ses 10 000, et voilà, Tifa va finir le premier monde en premier. C'est vrai que pour Bro, là, par exemple, il pourrait avoir l'impression de perdre beaucoup de temps à aller chercher ses 10 000 du coup, mais en fait, c'est rarement très violent. C'est pas vraiment sur les quêtes du monde 1, de toute façon, que les choses se jouent à fond. Hein. Alors, curieusement, alors pas au niveau des joueurs du Décathlon, mais à très très haut niveau, les 10 000, c'est quasiment la quête la plus capricieuse. Parce qu'il faut idéalement ne pas faire de détour. Parce que dans les mines, ils savent finir sans utiliser aucune ressource les niveaux en moins de 5 secondes. Et donc, dès qu'il faut faire le moindre détour, bah, la différence est énorme. Mais voilà, les joueurs qui ont plus de 2500 heures sur le jeu, ils regardent même plus vers le bas en fait à ce niveau-là. Ils se disent qu'ils savent lire. Oh, passage de bro, attention avec la TNT. Moi j'utiliserai une petite bombe là. Attention, le sang fait exploser la TNT. Ouais. Hein, donc, faut faire chaque le sang fait exploser la TNT. Tous les projectiles. Ouais, mais j'aurais pas compté le sang comme un projectile. Si, au moment où tu l'éclates, en fait, ça fait un truc et ça fait un dégât. Donc, faut vraiment, vraiment faire gaffe. Pendant que Tifa, du coup, fait la première quête, du coup, il est déjà au 2-3 de la jungle. Je crois qu'il a enchaîné, il me semble-t-il. Il a fait une double. Il tente la double livraison. Il tente la double livraison. Naruto. Vin Kaiser aussi, pardon. Et pendant ce temps-là, Naruto essaie de rendre les 10 000. Et Bro ne tente pas la double livraison. Donc, ce qu'on appelle double livraison, c'est le fait d'enchaîner deux livraisons. Parce que la dernière quête du monde 1 et la première quête du monde 2, on peut les enchaîner sans recommencer. Attention, Bro, d'ailleurs. Tout qu'ils ont eu le. Du coup, je vois Vin Kaiser qui a eu le marché noir sur sa route. Parce qu'au cas où des. Oh, le boomerang. Bon, ça va. C'est pas très important. Oh, Tifa, non, et Tifa, bon. Mangé par une méchante guêpe au 2-4. Et ça, ça coûte beaucoup. Et voilà, c'est le genre d'erreur. C'est pas grave, il a perdu 1 minute 30 maximum. Mais il faut pas se démotiver. Oui. Ah là 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 là. Oh, attention, Vin Kaiser qui se lâche, qui s'étourdit. Donc la jungle, je le disais, c'était le moment le plus dangereux. Oh, mais non, Naruto qui utilise toutes ses bombes. Il n'a plus que deux, mais c'est hyper dangereux. Mais il est bon, il est au 2-2. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il y a le biome l'eau qui coule et on est obligé souvent d'utiliser une bombe pour être tranquille dans ce genre d'environnement. On va espérer que ça ne lui arrive pas. Alors non, c'est le mauvais côté, je pense. Hein. Et la jungle, c'est toujours. Le mauvais côté. c'est toujours le moment. Oh, attention, plante carnivore qui one-shot. Oh là là, mais c'est vraiment l'enfer, beaucoup beaucoup d'ennemis. Et c'est marrant, c'est que c'est donc la génération aléatoire de Spelunky hein, peut faire des niveaux complètement gratuits ou complètement fous. Oh là là, c'est horrible cette grenouille. Il me semble même que justement avec les pièges Tiki au monde 2, c'est les rares. Il y a des rares cas où il y a des niveaux où il n'y a pas de route qui permet d'aller jusqu'à la porte. On est obligé de bomber parce qu'il y a un piège Tiki qui est pas considéré comme des blocs. Ouais. Et qui peut bloquer. C'est vrai que c'est rare, c'est exactement ça. Mais c'est très 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 rare. Regardez cette entrée de ruche de Devil Tifa qui avait deux pièges Tiki. Ah, c'était l'enfer. Oh non. Ouh, plus qu'un point de vie au 2-3. Ah, attention. C'est chaud. C'est l'hécatombe pour tout le monde. Tout va bien. Ouais. Si c'est mauvais pour tout le monde, c'est que c'est bon pour tout le monde. Vin Kaiser a réussi la double livraison ou il est mort? Vin Kaiser, il est. Ah, je sais pas. Il est pas au 2-4 par hasard? Je crois qu'il est au 2-4. Il va finir sa double livraison. On sait pas, il a pas l'affichage pro. L'affichage pro qui a été fait pour les speedrunners hein, par Derek Yu.
On va bientôt le voir, de toute façon, Tunnelman, qui est la personne à qui on rend les quêtes. Et oui, juste pour revenir un petit aparté sur les doubles livraisons. Il est au 2-3. Au 2-3. D'accord. Donc il a dû mourir. Donc, sans doute. Les doubles livraisons dont on parlait tout à l'heure, qui sont possibles effectivement comme les Etwin pour les dernières quêtes de chaque monde, c'est simplement que la règle de base, c'est que Tunnelman, on peut pas valider plusieurs quêtes en même temps quand on arrive, même si on arrive avec les objets de la quête 1 et de la quête 2, on peut pas tout donner d'un coup, il nous demande d'abord ceux de la quête 1, puis ceux de la quête 2, et il ne bouge pas de la fin d'un niveau tant qu'on n'a pas fait toutes les quêtes, c'est pour ça qu'on meurt en boucle, qu'on se suicide, hein, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Du coup, là, on a une avance de Tifa qui est déjà sur les cordes. Effectivement. Vinkeyzer, on ne sait pas. Oh non, bah, c'est maintenant on sait. Vinkeyzer Il est en retard derrière Devil Tifa. C'est le genre d'interaction. Hein. Ah, Ivro aussi. C'est l'hécatombe. C'est clair. Bah, et là, c'est le genre de moment où il faut vraiment se reprendre, se poser, souffler un coup. Tifa qui prend plein de hits. Naruto Seb est bien là. Naruto Seb est bien. Il est au 2-4 avec les bombes. Il a 5 bombes. Il peut. Il a 5 bombes. Voilà. Il a la technique de Dorian de bomber sous les lianes. Et voilà. C'est, la quête est validée. Il est deuxième pour l'instant dans cette race. On a beaucoup vu de morts sans repos chez Vinkeyzer, donc ce biome spécial de la jungle, où il y a des morts vivants à la place des ennemis normaux, donc des petits zombies à la place des grenouilles, et il y a un petit shotgun, rappelez-vous de cette information, pour plus tard, ça sera utile. Et on a toujours l'impression qu'il arrive beaucoup plus souvent. Naruto Seb, c'était une bonne idée pourtant. Par le pied Kiki, c'est Ça c'est best compile direct, parce que... c'est le genre de truc. En plus, on a vu le raisonnement suivi par Naruto qui s'est dit une petite grenouille qui explose, un piège dont je veux me débarrasser, je vais utiliser la grenouille. C'était très bon. Allez, Devil Tifa qui commence le shotgun. Même si pour lui ça s'était pas forcément hyper bien passé, ça s'est mieux passé que pour les autres, cette jungle. Oh, mais là... ça va être tendu, mais c'est pas possible. Et où en est Cute Shadow d'ailleurs? On pourrait faire un petit point backup en quelques instants. Et du coup il arrive au village Tiki en plus. Cute Shadow shotgun, Cute Shadow est deuxième, il est même devant Devil Tifa. Ah non, il est égalité avec Devil Tifa. Cladola 2 bombes, Ziwiwo 2 bombes, et LF n'a pas de HUD, mais il va rendre... Ah, j'ai en mort de Cute Shadow du coup. Ok, le shotgun. Non, c'est bien, les backups sont pas mal. Ouais. Au final. Donc, shotgun pour LF, pour Devil Tifa, pour Cute Shadow. Brother Main un peu en retard, Naruto Seb, haut de corde. Et Vinkeyzer, haut de corde ou haut de bombe, je sais plus. Mais Naruto Seb va rattraper là, il va arriver au shotgun, il est sur la fin du 2-4. Ah, et sachant bien, que. Ah, il est remonté vite, hein. Le shotgun, ça peut être compliqué. On voit Devil Tifa qui va se tuer le marchand, qui est tombé dans l'eau. Il a fait n'importe quoi, Devil Tifa. Il est tombé dans l'eau. Là, il faut abandonner, il faut quitter et il faut y aller. Hein. Ah non, il va tester un. Il va tenter un. Alors, moi, je tenterai un téléfrag dans l'eau avec le jetpack, le téléporteur. C'est sa seule chance. Attends, il plonge pour récupérer le shotgun. Attention, voilà. Oh, peut-être. Oh, il l'a. Il l'a récupéré. Il l'a. C'est trop drôle. Il devrait prendre la demoiselle en détresse, presque. Ah bah, oui, parce que là, il va être low en PV maintenant, du coup. Il a un point de vie. Il va se faire agresser par tous les marchands. Mais là, il a fait quelque chose que vous ne voyez jamais. C'était pour... Oh, bah, c'est mort, voilà. C'est voilà. Et voilà, la gravité l'a tué. Situation trop difficile à gérer. Allez, Brotherman qui doit rendre les deux cordes maintenant. Il progresse. Vinkeyzer, toujours difficile de savoir où il est, mais c'est pas grave. Ah, par contre, pas de shotgun encore. On va tenter peut-être pour une hypothétique double livraison. On ouvre la caisse et on découvre malheureusement ni bombe ni shotgun. Bon, c'est peu probable le shotgun, me direz-vous, mais... Oui, voilà. Parce que faut rappeler que les solutions pour avoir le shotgun, donc du coup, c'est soit le niveau les morts sans repos, soit tomber sur un marchand. Sauf que souvent, là, comme on est en speedrun et qu'on farme pas les ressources, il s'agit de tuer le marchand et du coup, ça va augmenter la difficulté de tout le monde, vu qu'à la fin, une fois qu'on a énervé les marchands, après, à chaque fin de niveau, devant la porte, il y a un marchand qui nous attend et qui est fâché. La troisième alternative, c'est moi, c'est le trou dans une caisse, mais je sais plus, c'est 1%. Ouais, c'est 1% de chance. Donc il faut ouvrir toutes les caisses, mais c'est vrai que l'espérance est quasi nulle. Hein. Mais... ça vaut c'est à la limite, c'est presque pas intéressant. On a une chance sur 200, mais on va quand même le faire parce que si on tombe sur des bombes, on peut faire la double livraison. Allez, regardez Vinkeyzer qui arrive dans la nuit et qui reset direct. Naruto Seb a énervé un marchand dans son vault et voilà, il l'a tué avec une bombe. C'était très bien fait. C'est assez rare de voir des gens qui rentrent dans le coffre-fort. Chaque monde y a un coffre-fort comme ça. Oui, c'est dangereux cette situation. Ah, et il a un deuxième marchand, ça c'est par contre bon. Je pense qu'il est au 2-4. Ouais, il a vu le vault au 2-4 et il a bourré. Il va faire voilà, la double livrée. Validé Naruto Seb qui va arriver au monde des cavernes de glace, qui va tenter d'enchaîner. Qui est premier, je pense. On n'a pas les backups, mais.
Il est premier. Il est devant Tifa. Alors ça va être dur, il faut qu'il rattrape 30 points. S'il veut être premier, Naruto Seb, il est sur une. De toute façon, un tournoi extraordinaire. Il fait partie des personnes qui ont maintenant le plus de chances de se qualifier. Ouh, Tifa, il fait n'importe quoi. Ouais, moi je suis en train de suivre Naruto Seb du coup depuis maintenant. Punitif. Oh, oh là là, oh là, c'est là vraiment le, ouais, c'est le moins dur parce qu'en fait, donc la spécificité des cavernes de glace, c'est que le monde n'a pas de fond. On est dans une espèce d'abîme habité par des yétis et des zones glissantes. Et donc il y a beaucoup de mines aussi parce que c'est un endroit, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a été la guerre à un moment. Oh, attention, Naruto, c'est pas hyper ça. Dangereux. Mais non, Ah non. Ah la mort. Il a essayé le duel contre le mammouth. Mais pourquoi il s'est arrêté pour tuer un mammouth surtout? Bah panique. Un mammouth. Allez, il reste en tête bien, pour l'instant. Hein. Bah non, là, il est rattrapé par Devil Tiva qui va tenter la double livraison aussi, que ça va dépendre des bombes qu'il a. Non, il se suicide. Non, il se suicide directement, c'est dommage parce qu'il avait une cape, mais il utilisait toutes ses bombes pour survivre. Cute Shadow, haut de 4 pour le shotgun. Attention, attaqué par un squelette, il a 18 bombes, il est très bien. Moi, je bomberai tout, là. Avec 18 bombes, j'y vais à fond. Voilà, comme lui, exactement. Ouais, c'est clair. Attention, la chauve-souris. Et le, attention au recul du méchant shotgun. Et... Oh non! Non! Oh, c'était improbable! Je l'ai même pas vu, le marchand! Bah, il y avait le marchand qui était à côté du Tiki Man, et les marchands peuvent de temps en temps sauter super haut. Et là, c'était vraiment pas chance. Je l'ai même pas vu, pas c'est chance, comme s'il était derrière. Enfin, c'est très bizarre. Enfin, c'est... Bah, lui, il l'a vu parce qu'il essayait de le bomber. Donc, mais, Ouais, mais je l'avais même pas vu. Je m'étais dit, c'est bon, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'il attend? Je l'avais pas vu. Non, c'était injuste parce que là, le marchand a fait un saut vraiment trop haut, très rare. Les marchands en général sautent de 3 cases de haut. Non, mais bro, mais bro, tout le monde meurt. Il y avait qu'un seul pic sur toute la plateforme. Ah là là, c'est la panique. Bah, des ceci bombes. Dit, là, il va pouvoir avoir facilement le fusil vu qu'il est dans un niveau les morts sans repos au 2 1. Ouais, mais il en avait un. Il en récupère. Ouais, c'est vrai que c'est dommage, mais ah, attention, c'est tellement chaud pour Naruto Seb, beaucoup de mines, mais bon, il va rendre les 3 bombes. Naruto Seb est tranquille. Il va falloir enchaîner encore une fois avec les 3 mais cordes. Ils sont quasiment en même temps, Devil Tifa et Naruto Seb. Ouais, mais Naruto Seb doit déjà pris le raccourci, donc Devil Tifa... Ah non, il est bon, pareil, ils sont identiques. Ah, ils sont identiques, ils sont au coude à coude. Ah. LF est juste derrière eux. C'est vrai que c'est très serré pour tout le monde. Dorian, tu voulais une race serrée, bah tu es serré. Ouais, ouais. Ah, c'est, ça joue de manière très nerveuse. Ouais, c'est, on sent qu'il y en a que... On joue son Vatu, comme on dit. Enfin, c'est très très violent. Oh, attention, oh là là. Bro, quand même. Qui, c'est fini pour personne, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que Bro, là, il faut vraiment pas qu'il perde ses moyens. Non, il faut qu'il se reconcentre. Il est au 2-2, tranquillement. Il a le shotgun, il a pas les marchands qui l'agressent. Légère avance de Devil Tifa maintenant, qui a eu un meilleur 3-2 que Naruto Seb. Oh, Naruto Seb qui meurt. Ah, terrible. C'est pas grave. Tout va bien. De toute façon, ça se joue, hein, si on l'a dit, la clé Devil Tifa serait sans doute premier. Et donc il faut que Cute Shadow, Bro et Naruto... Oh, attention à ça, Naruto Seb arrive à s'en sortir. C'est fini pour... Du coup, c'est bon, il va bientôt... Il rentre les 3 cordes, il va s'attaquer à la clé. Oh là là, Naruto... Ah, et Bro... Non, attention, oh, il a récupéré toute sa vie, il est bon. Devil Tifa qui commence la clé et qui prend la tête, du coup. Bro, là, je sais pas ce qu'il faut faire, mais c'est compliqué. Mais il faut le faire. Je sais pas, c'est... Ouais, mais Dorian, tu disais quelque chose avec lequel j'étais pas forcément d'accord. Spelunky, c'est un jeu qui est un peu plus facile quand on va plus vite, parce que on n'a pas tous les ennemis, en fait, c'est comme dans Doom, ils s'aggro de très très loin et ils te suivent à vie. Et quand tu vas vite, tu sèmes beaucoup d'ennemis, donc t'as pas des situations qui s'auto-compliquent plus que Sous réserve qu'on ait des bons réflexes et qu'on analyse rapidement. Ben c'est, si on sait aller vite, ça se passe mieux. Et effectivement, si on sait pas aller vite, c'est encore plus dur. Quoi. Mais c'est. Moi, c'est une impression que j'ai eue parce que j'ai regardé les races. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts au monde 2. Et que moi, en casu, en jouant safe, je l'avais trouvé plus facile que les autres mondes, le monde 2. Hein. Je trouve que les pièges Tiki ont un comportement facilement anticipable. Tu peux vite passer au-delà. Les monstres du 2, à part, ils sont pas. Bah moi, je trouve que c'est le biome le plus complexe. C'est-à-dire, c'est le normalement le quand même la zone la plus difficile des 3 premières zones. Mais comme elle est d'apparence difficile, il y a beaucoup de blocs à casser. On a naturellement, on est plus prudent. Ouais. Et du coup, on meurt moins paradoxalement des fois.
contrairement au mine qui est objectivement assez simple, mais les gens meurent souvent parce qu'ils courent de manière débile. Mais je sais un succès Steam. Il y a aussi une impression, parce que moi j'avais tellement galéré à finir le premier monde déjà en casu, que quand je suis arrivé au deuxième monde et que je l'ai quasiment first try, j'ai fait c'est plus facile. Une fois qu'on a le jeu dans les pattes, en fait, c'est vraiment la manipulation qui est très spécifique dans Spelunky. On court très très vite. Ah, Zigwigwiki Laurent, il est bien là. Cute Shadow aussi. Naoto, est-ce qu'il a les ressources pour faire le double? Bah, ça. Ok. 37 bombes, c'est toujours bien. Il est parti sur des strats à la CDV. Mais c'est pas le bon moment pour la guerre à l'armement. Attention, Brother Man qui enfin peut commencer tranquillement son troisième monde. On a Naruto Seb et Devultifa qui sont sur la clé. Devultifa a trouvé la clé. Vinkaiser devant Bro puisqu'il a déjà rendu ses trois bombes. Ah, et il glisse. Naruto Seb qui est dans un niveau pas accueillant, le niveau des araignées. C'est un des pires du premier monde. La fille meurt. Par contre, en plus, il y a une malédiction qui se confirme. Il y a toujours la clé dans le niveau des araignées. C'est pas vrai, mais c'est une espèce de règle. C'est la loi de Murphy. Hein. S'il peut se passer. Ah, bah très bien. Voilà, Naruto la clé. Seb, je sais pas, 2 PV avec la clé, c'est. Il est vraiment, tu vois, il sort. Oh, Tifa, attention. Ouais, ça arrive. Parce que la clé, du coup, il n'est pas un objet comme les bombes ou les. Le pauvre Naruto Seb qui maintenant arrive dans le noir. Ouais. Et donc, oui, la clé a une physique particulière qui est la même physique que les totems dorés. Et du coup, on a vite fait de se faire mal avec la clé ou avec des objets de ce type-là. Hein. Mais c'est au risque. La Naruto Seb, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il est 2 PV. Devil Tifa en a qu'un aussi. Hein. Je vois des morts sur la clé, moi, pour l'instant. Ouais, là, c'est dangereux. Mais en même temps, là, Naruto Seb, ce qui se fait, il a un niveau dans le noir, il bourre, et je pense qu'il s'en voudra pas si ça passe pas. Voilà, tout s'est passé. Ouais, mais j'espère pour lui, bon, du coup, qu'il va choper une demoiselle en détresse parce que. Ah, c'est toujours un risque de prendre la demoiselle en détresse quand t'as la clé, ce qu'il faut poser la clé, Il faut poser la clé. Avoir un moyen d'aller rechercher la clé. La génération qui est. Oh bah voilà, c'est fini comme ça, ça règle la question. Il peut pas s'en vouloir là, le jeu était contre lui quand même. Alors que Bro est au 3-3, donc il sera bientôt à la clé. Ouh, c'est dangereux cette fleur là. S'il est bien au corps, ça y est, au 3 corps. Ah ouais, il a un PV depuis un petit bout de temps de Viltifa et continue. Paradoxalement, on joue plus safe avec un seul PV, donc ça arrive souvent que les gens. Perdent leurs 3 points de vie au début et finissent avec un point de vie. Ouais, la clé est passée où là du coup? Alors là, elle est sans doute avec les deux ennemis là qui sont tranquillement en train de s'empaler. Ah non, elle est juste cachée derrière l'autre. Ouais, ce qui aurait été problématique si elle était dans les pics. Avec une corde, tu peux le faire. Mais avec une corde, tu peux descendre dans les pics tranquillement. Ok. Le jet clé. Waouh, il se passe des trucs. Heureusement, il joue pas si safe que ça avec son seul PV. Bah, pas assez d'argent. Pas assez d'argent pour le bisou. Le bisou, c'est 9600 dans la jungle, je crois. Un truc comme ça. Faut voler la fille, sinon. Franchement, voler la fille avec un seul PV et la clé, ça me semble pas une bonne idée. Naruto Seb qui farm. Ah, il aime bien le jet de clé, là. Il aime bien le jet de clé loin, en dehors de l'écran, ce qui fait qu'on sait pas où elle arrive. Elle peut être dans des situations délicates. Là, c'est pas le cas. Toujours, comme on peut faire des dégâts avec la chute... Retomber sur un ennemi, c'est toujours quelque chose qui permet de ne pas mourir, de ne pas prendre de dégâts de chute. Ouais. Notamment au monde 3, tomber sur le Yeti, c'est toujours une manière de safeiser sa descente. C'est les constantes de ça dans le jeu vidéo. Tomber, on n'a pas de dégâts de chute quand on tombe en s'accrochant ou quand on tombe sur un ennemi. Ouais. Alors qu'on pourrait complètement se rompre les bras, tu sais, il pourrait y avoir une animation où il reste les deux bras. C'est vrai, j'ai pas de jeu en fait où ça, les dégâts de chute sont pas annulés, les bras s'arrachent, il y en a sans doute. Il faudrait développer ça, un petit plateforme. C'est une feature indispensable. On a Devil Tifa qui arrive au monde 3 avec son seul PV et la clé, alors qu'à côté, Naruto Seb est très bien, parce que je l'ai vu finir le monde 1 avec 5 PV, la boussole et la clé. Voilà, Naruto Seb, c'est vrai qu'il est très très bien, il est bien setup pour les trucs, il a farmé beaucoup de choses. Brother Main juste derrière qui cherche la clé, Vinkaiser qui cherche la clé aussi. C'est marrant, c'est ce qu'on avait dit, même si pour certains ça s'est plus ou moins bien passé, la clé c'est le moment névralgique. Non mais, qu'est-ce qu'il fait bro? Ah en plus, non c'est la fille qui s'est pris le truc du coup. Il est bien. J'ai cru vraiment qu'il avait pris le coup, donc tant quand mieux. Quand on a une demoiselle en détresse dans les bras, attention, la clé est à ce niveau, j'ai vu le coffre, monsieur Bro.
J'espère qu'il l'a vu. Ah là, la clé ouais. En l'air, ok, il est bon. Les gens sont en train de se dire que si Tifa rend là la clé avec un seul PV depuis le début, c'est quand même du cran, c'est osé. Ouais, c'est vrai, hein. Il arrive au 3-4. Il arrive au 3-4 avec un seul PV. Bah, Brooke... Tifa veut... Ah, Brooke qui a fait un joli lancer de bombe. Avin. Ouais, il joue très safe, il a raison. Donc en fait, il y a une sortie secrète au 3-4 ouais. Qui est en l'air. Et voilà, c'est rendu. Le Tunnelman l'attend ici. On lui donne la clé dorée. Je sais pas pourquoi il a besoin d'une clé, ce Tunnelman, pour creuser un tunnel. Parce que des bombes, ça fait sens. Des cordes, peut-être. Un peu d'argent pour acheter du matériel. Un shotgun pour tuer des ennemis, mais une clé. C'est-à-dire que là, il reset, mais il va être obligé de recommencer au monde 3, vu qu'il a pas débloqué la fin. Si, il a rendu la clé. Ouais, c'est ça. Voilà, Tifa est parti. Si, sur du sub 30 facile. Oh, Naoto Seb. Petite mort délicate dans la jungle. Oh, alors qu'il était bien parti. Bro dans la jungle avec sa petite boussole aussi. Vinkaiser dans les mines avec sa clé. On pourrait faire un point Cute Shadow. Ouais, on va regarder ça. Ouais. Cute Shadow dans les mines pour les trois cordes. Zigou qui cherche la clé, LF qui cherche la clé et Cladol pour les trois cordes dans les cavernes de glace aussi. Il accuse un petit retard Cute Shadow, mais c'est pas trop grave parce que la clé c'est souvent un gros cap de difficulté et on se rejoint à la clé. Donc c'est ce qui risque de se passer hein, pour la plupart des gens qui sont là. Mais très très tendu, donc Tifa va être, s'il réussit, hors de portée, il est, qu'on peut le dire, hein, d'ores et déjà qualifié à l'ultime finale, là, à moins qu'il reste bloqué sur le temps, mais globalement, ouais. Avec une performance comme ça, ça le met hors de portée, a priori. Il a attention. Très très peu de chance contre 4 9. Bro qui se sort d'une situation difficile, et qui malgré tout est encore bien dans la course après un départ sur Spelunky qui n'était pas accueillant. Et là, il arrive, il peut possiblement faire deuxième encore, parce qu'il est en avance avec la clé pour l'instant. C'est dur de savoir, ce que Vinkaiser n'a pas l'affichage du niveau. Vinkaiser, ouais, il doit être au 2-2-2-3, je dirais, on va le voir à la transition. Il y a la petite profondeur qui est indiquée à chaque fois. Ah, il arrive au 2-2, donc il est derrière Bro pour l'instant. Mais c'est pas Vinkaiser qui inquiète Bro pour l'instant, c'est surtout les runners de demain, je pense qu'il les a derrière le crâne. Ouais. Et même Naruto Sep Cute Shadow, hein, c'est-à-dire qu'il aimerait Bro sécuriser, terminer devant, se mettre une petite sécurité. Il sait que Tifa est hors de portée, mais par contre, s'il terminait avec. Et qu'il rattrapait Naruto Sep, il serait un peu plus confiant. Naruto Sep qui tombe encore sur un niveau avec les araignées. Tifa qui joue la sécurité sur Olmec. Tranquillement. Ouais, Tifa il assure là. Il s'en fout. Il a raison. Ouais. Ah, situation un peu compliquée pour Tifa. Non, ça va passer. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Vinkaiser ? Voilà, la grenouille s'en va. On n'oublie pas que Bro est un habitué des morts au 3-4 avec la clé. Ouais. Oh, dis pas ça. Non, on n'a plus le droit. Aujourd'hui, en fait, on ne dira pas ça. C'est le mot. Et Tifa qui finit tranquillement. 27 minutes 05 pour Tifa, 182 points. C'est vraiment très bien quand même. Même si ça a été délicat. Il dépasse les 1900 points. Il s'assure à une qualif. Attention Bro, un niveau très compliqué pour Bro là, donc ça, en plus ça peut lui tomber sur le crâne, il peut lancer, voilà, très bien, c'était très très bien fait ça. Ouais, très beau, effectivement. Les bonnes décisions. Et ben donc on a le premier résultat, donc Tifa qui fait un 27-05, donc 182 points sur Spelunky, il fait 1939 points, donc... une performance moyenne pour Tifa, il est dans sa moyenne entre ce qui est moyen et ce qui est bien, mais c'est large, ce sera largement suffisant pour se qualifier quoi qu'il en soit. Mais Brother Main, ça explose de partout, c'est très inquiétant, attention à pas se casser. Oh la vache, oh là là. Mais c'est incroyable. Attention parce que c'est compliqué, la sortie est pas loin, mais il a pas de clé. Ouh, oh là là, c'était fou, mais ça s'est bien passé, les bonnes décisions. Mon cœur se serait fendu si il était mort ici, vraiment. Le petit soupçon de RNG qu'il fallait, oh là là, mais on voit à quel point ça peut être horrible, quoi. Parce que l'explosion qui est arrivée juste à côté de lui, ça lui arrivait sur la tronche, c'était le décès instantané, hein, donc quel que soit son nombre de points de vie d'ailleurs. Parce que les explosions, c'est 10 points de vie que ça enlève, donc le jeu, de toute façon, il est brut. Naruto Seb arrive juste derrière, il va bien, il est au 2-4.
On a Vinkaiser au 3-3 aussi. Ah ouais, Vinkaiser que j'avais loupé, que j'avais pas suivi des yeux. Sachant que pour l'objectif à 1865, on avait mis 175 points sur Spelunky. Il faut faire quel temps pour faire 175 points? 30 en gros. 30 en gros. C'est ce que peut faire, c'est ce que peut faire Bro. Hein, donc, et voilà, Tifa qui est mort quand même 12 fois, sachant que le minimum c'est 6. Donc, petite. Ça risque d'être dur pour les autres, le sub 30. Ouais, il reste une minute, c'est vraiment Bro qui peut le faire maintenant. Il arrive au 4-3, mais il a pas beaucoup de bombes. Ouais, problématique. Vinkaiser est bien avec la clé, là. Tout comme Naruto Seb. Ouais. Et Bro, par contre, voilà. Bro, mort au 4-3. Mais ça va, il peut assurer, il n'y a plus que le temple. Au pire, il fera un sub 35, ce qui serait vraiment bien. Ouais, Vinkaiser vient de valider la clé. Ouais. Attention, Bro, bien esquivé. Naruto Sep en ce temps-là au 3-3, c'est le moment crucial, c'est le moment où il faut pas se laisser hypnotiser par un mammouth. Ouais, c'est clair. C'est mais là, il a pas de fusil. Ouais, pas de fusil, donc ça ne... Oh, voilà, par contre, il avait ça, un parachute. Je sais pas à quel point c'était calculé. Hein. Ouais, parce que les parachutes, on oublie qu'on les a souvent. Ouais, enfin, souvent. Ouais. Mais je lui accorderai le bénéfice du doute, et peut-être qu'il y a pensé. Mais là, c'était un saut qui était infaisable de toute façon, donc je sais pas ce qu'il espérait. Il y a trois Yeti qui font une petite... Oh, attention, ok. Il a les bottes de saut. Et c'est validé. C'était très bien joué de la part de Naruto. Oh là là. Qui va foutre une pression à Brother Main. On pourrait faire un petit point Cute Shadow. Brother Main, 4-3, ça devrait aller pour l'instant. Toujours aux mines pour la clé, d'accord, Cute Shadow. Oh, Bro, elle est un peu précipitée. Qu'est-ce qui se passe là. C'est précipité dans les pics du piège Tiki. C'est le problème que Dorian soulignait tout à l'heure. Il faut faire attention à pas aller trop vite et vraiment prendre son temps contre les pièges Tiki. Oh là, attention, Anubis. Il faut quasiment se suicider, là, il a un mauvais pattern, il passera pas. Il va tout cramer. Ouais, que deux bombes déjà au 4-1, c'est dur pour Bro, là. C'est très dur de prendre la décision de se suicider au temple parce que il faut... Oh là là, il a déjà plus qu'une bombe. Il y va à fond. Pendant ce temps, Vinkaiser explore le temple dans le noir. Il a pas. Il est au 4-3, il me semble. Ah, il est au 4-3 peut-être alors. Il me semble qu'il est au 4-3. Ouais, Vinkaiser. Il est au 4-3. Pour oser le temple dans le noir, il faut vraiment être au 4-3. Ouais. Voilà, ça, il a bien manipulé le comportement de la momie. Ah, Bro a plein de corps, donc même s'il a pas de bombe, il pourra aller chercher, il pourra aller farmer au-dessus d'Olmec, ce qui est déjà pas mal. Ah, par contre, Oh, méchante momie qui crache des nuées de sauterelles. Alors que Naruto Seb a la confiance, il joue agressif sur le 4-3. Il arrive à Olmec, du coup. Naruto Seb qui est du coup. Qui va peut-être faire deuxième, du coup. Il a que 3 bombes, il me semble. On va regarder ça. Allez, Brock arrive à la fin, il va pouvoir farmer en haut d'Olmec. Il y a beaucoup de spots sur lesquels il y a des caisses et de l'argent qui spawn. Vinkaiser aussi au 4-3 tranquillement, donc son niveau dans le nord c'était le 4-2, ça a joué très agressif, un très bon 4-3 pour Vinkaiser. Naruto Seb, comment il joue sur cet Olmec? Naruto Seb qui est mort à Olmec, coincé entre Olmec et le petit rebord. C'est vrai que c'est je le vois, attention. Bro il s'en fout, Bro il a abandonné toute décence, il y va en fast strat. Donc là, l'espoir, c'est de tuer les ennemis en lançant des cordes. Il a beaucoup de cordes, cela dit. Et ça se passe bien pour l'instant. Ça va bien se passer. Le mec, il y a une petite probabilité de faire spawner 3 ennemis, voilà, comme ça. Et là, il faut... Attention! Attention! Ah. Oh, c'est bon! Il lui reste 3 points de vie, il est bien. Oh, il a osé, et ça a payé. Ça a payé, GG bro. 32 minutes 36, ça le soulage. On a Brother Main qui finit deuxième de cette race à 32 minutes 38. Ouais, très très beau. Il va se mettre en... Là, c'est très stressant maintenant pour Naruto Seb et Cute Shadow qui doivent assurer pour se qualifier quand même. Ah là là, Naruto Seb qui meurt. Et donc Bro, avec ce 32-38, ce 168 points, termine ce décathlon à 1874 points, soit 9 points au-dessus de la liste qu'on avait fixée. Attention ça. Oh, attention. Alors, c'est des setups pas sympas avec la chauve-souris. La chauve-souris, c'est l'ennemi de base, on a tendance à ignorer les dégâts que ça peut faire. Pour moi, c'est un des pires ennemis du jeu, la chauve-souris. Dans tous les jeux. C'est horrible. Bro qui crie de soulagement, je pense. Ah c'est oui, fini. Tu m'étonnes. C'est le soulagement total. Moi, j'avais annoncé 1875 points pour être tranquille. Il est pas tranquille. Allez, Vinkaiser qui finit aussi. Il finit troisième de cette race à 32 minutes 53. Bonne fin pour Vinkaiser.
Cube Shadow qui est pas mal pour rendre la clé. Ouais. Naruto Seb, tu nous diras quand il arrive à Olmec. Alors... On a du Cute Shadow qui est, ouais, qui est une bonne posture pour rendre la clé aussi, c'est vraiment bien. C'est bien, c'est très très bien d'avoir la boussole dans ce jeu, encore une fois c'est la guerre de l'information et la boussole ça en donne énormément. Zigougui pendant ce temps-là récupère une pioche, il va pouvoir récupérer plein d'argent et chercher la clé. Shadow, ça on voit des gens qui demandent combien de points pour Bro, il est à 1874 points, c'est soit 62 sur Spelunky, ah non, 168 sur Spelunky. Là, on te sait, bon, en fonction de ce qu'il fait, devrait à peu près être dans les mêmes eaux. Mais Cute Shadow, par contre, va s'effondrer au classement. Il va faire une bonne perf, mais il va être en posture délicate. Ouais, ça va être très serré pour lui, Naruto Seb. Ah, le 3-4 pour Cute Shadow, on va pouvoir... J'espère pour lui qu'il va réussir, il le mérite, ils se sont tous beaucoup entraînés, moi aujourd'hui je veux vraiment... Contrairement à d'habitude, je ne veux pas de mort au 3-4 quoi. Il n'y en a pas eu. Oh, je mettrai une petite bombe, voilà, très bien. C'est bien, il faut y aller là, c'est bon, ça suffit. Hop, la boussole, c'est parfait, on peut sauter en 8 mines, voilà, tranquillement. C'est parfait, la clé est rendue pour Cute Shadow, il va pouvoir quand même valider pas mal de points. Le sub 40 reste très très honnête dans Spelunky, hein. C'est 150 points. Ça assure pas la qualif, mais ça va mettre une vraie pression. Les gens ils sont là, ah quand même, Cute Shadow il joue vachement bien, ça devrait suffire pour se qualifier. Mais évidemment on voudrait qualifier tout le monde, c'est juste pour des raisons matérielles et économiques. C'est juste que pour un tournoi IRL, on peut considérer que c'est le dernier tournoi d'une certaine manière. C'est que le dernier c'est du bonus, c'est l'ultime finale IRL, mais c'est un bonus qui motive plein de gens. Mais en plus les runners en Cute Shadow par exemple, s'il n'est pas qualifié, viendra sur place quand même. Donc, bien sûr, ouais. Ça, c'est évident, tout le monde se retrouvera, donc les runners sont spectateurs. Ça ferait peut-être une pression supplémentaire aussi, peut-être pour les runners, parce que dans le spectateur, il y aura plein de runners. Moi, je serai là pour les juger, en plus. Ah, parfaitement. On viendra. Ouais, on aura plein de commentateurs. Ça sera la fête. Ça sera aussi sur Gaming Live. Ça sera le week-end du 12-13 mars. Cute Shadow qui fait le 4-2 dans le noir aussi. Ça joue agressif. Ah, mais ils ont raison. Il faut essayer de valider ce temple le plus vite possible. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, LF. Attention, là, c'est bien passé pour Cute Shadow. LF qui fait un bon tournoi aussi, globalement. LF qui fait un très bon tournoi, hein. Personne l'attendait, parce que c'est vrai qu'il fait partie des gens un peu moins haut dans le classement. Il est dernier théorique de cette première finale. Et il s'en sort très très bien. Je crois que pardon, je disais avant dernier, parce que je crois que Zigougou est derrière. Non, LF est derrière. Ah bon ? D'accord. Ouais, Zigougui s'est qualifié au classement. Ah, toujours pas arrivé au... Attention. Ouais. Alors que Naruto Seb est sur un setup un peu dur, mais il s'en sort. Shadow qui s'en sort, il va arriver à All Mec, Shadow, mais il a pas beaucoup de bombes. On va voir ce qu'il fait. Zigougui qui fait plein d'emplettes, et LF qui est au 3-1 pour rendre la clé. Cladol qui est au 2-1 pour rendre la clé. Donc là, on a encore plein de gens pour qui c'est très tendu. Naruto Seb et Cute Shadow, tous les deux à All Mec. En même temps, ouais. Ah, et exactement les mêmes ressources, c'est rigolo. Un cœur de plus pour Cute Shadow. Cute Shadow qui va aller chercher. Qui s'est fait troller tout à l'heure par All Mec. Et qui tente. Il va sécuriser Naruto Seb. Ouais. Il va aller chercher des ressources, mais en espérant évidemment avoir de la chance, parce qu'on peut aussi ne pas avoir de chance. On a déjà des cordes pour sécuriser, pour choper des bombes, mais ce qu'on veut quand on vient ici, Shadow, il trouve que des cordes. Naruto Seb, il a pas grand chose là. C'est un peu la misère. Ouais, il trouve plein de cordes. Avec plein de cordes, on peut faire la fast strat qu'a fait Bro. Quand on fait cette strat là, c'est qu'on n'a pas envie de faire la fast strat a priori. C'est qu'on est en mode. Et un appareil photo, c'est beau! Après, c'est une question de ressources aussi, on fait avec les ressources qu'on a. Hein. Cute Shadow qui a eu c'était un peu l'enfer, donc il s'est fait écrabouiller. J'ai vu quelqu'un qui est LF qui est au 3-4 avec la clé. J'espère que ça va bien se passer pour lui pendant qu'on regarde Naruto Seb. Naruto Seb qui joue un peu sa qualif maintenant. Faut pas dire ça, j'espère qu'ils écoutent pas, ça va trop lui mettre la pression. Ah bah oui, je pense qu'ils écoutent pas. La clé est rendue pour LF, donc tout va bien. Oh attention, c'est le bordel. Et en plus, évidemment, oh, le mec qui fait spawn plein d'ennemis, c'est toujours attention, bien. Attention, il a failli se faire ravoir par le être petit board bloc. Faut qu'il fasse attention. J'aime pas les escargots, ils me font peur tout le temps.
Il va se mettre dessous. Ennemi, hein. Ah, il va faire cette strat, il peut se mettre dessous. Il est bien, ouais. Il va se mettre en bas et il va tranquillement. Oh, par contre là, oh, j'aurais pas osé. Allez, c'est pas grave. Il va se mettre sur le côté, voilà, c'est bien. Maintenant, il faut déclencher le mec et il faut le déclencher encore une fois. C'est bon. C'était attention, très très bien joué. Attention. Allez, on utilise toutes les cordes pour tuer les ennemis. On est bien. Allez, c'est validé. Et Naruto c'est rendu. Fini. 40 pour Naruto Seb, c'est bien. Zigouigoui pour la clé. LF qui a rendu sa clé, qui cherche à tuer le mec. Et Cute Shadow qui choque vraiment sur le temple. On a Naruto Seb qui reste deuxième avec 1877 points. C'est énorme parce que Naruto Seb, là, il jouait effectivement sa qualif. Hein. Je voulais pas insister dessus au cas où il écoutait. Mais 1877, il est même devant Bro. C'est très solide. Hein. C'est... On est dans la zone enfin, entre 1865 et 1885 où ça va se jouer, sans doute. Ouais, ça va être ça, hein, mais c'est très très difficile à battre. Du coup, Kladal a fini aussi. De ce que je vois. Ah oui, Cladol vient de finir en 37-44 pendant qu'on focusait sur Naruto Seb. Cladol a fini à côté, donc il est tranquille. Il est à 1803 points. Dépasser les 1800 points, c'est des grosses performances. Hein. C'est 190 points en moyenne. 190 points, ça veut dire qu'on est très proche du record du monde partout. Ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Ouh, LF, je sais pas comment il a survécu à ça. Je l'ai vu écrabouiller. Ouais, là, par contre, c'est fini. Ouais, des gens qui sont en train de, notamment Sinaël qui est en train d'halluciner sur la performance de Naruto Seb ce soir. Ouais, ouais. C'est vrai. Oh, Cute Shadow. Cute Shadow, c'est dur. Là, il meurt au 4-3. Oh là là, les joueurs vont avoir une pression demain. On prendra le temps, de toute manière. Alors que l'homme Pins vient d'annoncer qu'il a fait un décathlon d'entraînement où il n'a fait que 1820 points. Ah, ça ne suffit pas, 1820 points. Non. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Millet qui a peur. Les favoris de Pulpard ont gagné. Ah oui, j'ai noté ton pari, Pulpard. J'ai vu ton nom passer. Ouais, Clado l'a fini. Ouais. Oui, c'est vrai, exact. Exactement, ouais. Les frames du passé. Alors, on a le... Les quelques frames qui nous restent de la clé qu'on ne vous a pas diffusé tout à l'heure. Alors. Ouais, il reste LF, Zigugu, Shadow. Cute Shadow, faudrait vraiment qu'il y arrive là. Il se sera un petit peu pour l'instant, entre guillemets, enfin effondré, c'est un peu exagéré, mais. Il a fait un très très bon décathlon et c'est vrai que Spelunky à la fin là, c'est difficile. Là, il faut attirer les momies pour qu'elles meurent contre le piège Tiki. On a complètement perdu Vinkaiser. Vinkaiser, non, il est... Vinkaiser, il a fini le cinquième, en fait. On l'a vu, il a tué Olmec tout à l'heure. Il a fait 32-53. Il a fini juste après Bro, en fait. D'accord. J'avais oublié. Bah, ils vont tellement vite, on voit beaucoup de... on voit 8 runs simultanés, c'est normal. Zigouigoui qui va aller chercher des ressources parce qu'il a des cordes. Oh là, faut espérer avoir un... Oh, il va tout utiliser... Mais il y a des caisses. C'est le 4-3. La boussole, il est content de savoir où est la sortie. Très utile. Il y a plein de caisses, c'est bon. Ah, un parachute, décor. C'est toujours bien quand même. Oh, allez, horrible. Petite boîte de bombes. Voilà, c'est bien oh, ça. Bombe. Il faut y aller. Alors que Cute Shadow va arriver à Olmec avec déjà 4 bombes, 4 cordes. 4 bombes, 4 cordes, c'est ça qu'il faut. Ça suffit. Par contre, Zigougou, il y va directement que avec 4 bombes, et moi j'aurais pas osé, donc je sais pas trop comment il va se démerder. Parce que ça va pas suffire en fait, il faut vraiment 5 bombes. Ouais, normalement faut que le Olmec creuse une fois, donc je sais pas comment il compte le faire. Bah après avoir un trou, ça permet de se mettre sur le bord de son trou, il a plein de cordes et il peut attirer Olmec. Mais là, ça ne va pas aller. Donc il retourne chercher, voir s'il a pas oublié une petite caisse de bombe. Mais je ne crois pas. Il y en a pas. Une, mais elle est là. Non, il s'est rendu compte de son erreur parce qu'en fait, si ouais. Olmec va dans le trou, il pourra pas remonter Olmec. Mais oui, mais en fait, il faudrait là. La solution, c'est de mettre Olmec à côté du trou et de lui faire creuser un autre trou en se servant de son trou comme un moyen de l'attirer. Alors que Cute Shadow, il va agressif, il n'est pas allé chercher de nouvelles ressources. Ah bah, changement de stratégie pour Zigouigoui, il a fait un trou, du coup il s'est dit bon bah, maintenant ça sert à rien. Voilà, Cute Shadow qui fait la strat avec on creuse le trou, là il avait les bonnes ressources. C'est dommage parce que le trou de Zigouigoui sert parce que là en fait il est vraiment collé entre un mur et Olmec. Alors que si on utilise son trou pour attirer Olmec,
on est collé entre... Non, c'était parfait, oui. Oui. C'était juste... Pourquoi ils ont toujours un PV quand ils terminent, attention. Et là, il tombe dans son trou. Ouais. Zigouigoui termine juste derrière Kid Shadow. Voilà, Zigouigoui et Kid Shadow, fin synchronisée à 43-29 et 43-37. Alors que LF est bien, là, a priori. Ah, il va utiliser la corde pour faire tomber le mec. Oh là, attention. Voilà, c'est bon. Et fin pour LF aussi. C'est notre dernier joueur. Eh ben, ouais. On est, tout, on est sub, ouais, sub 45 pour tout le monde. Ouais, c'est la grande finale, c'est normal. Il y a plein de runners hyper talentueux. Mm-hmm. C'est proprement hallucinant. Du coup, il n'y a pas eu de grosses cons. Il y a eu évidemment des pleurs. Ça se passe jamais parfaitement sur Spelunky, mais globalement, ça s'est bien passé. La plupart des runners ont fait une performance incroyable. On peut jeter un œil au classement, mais ça a été beaucoup moins violent que je ne le prévoyais sur Spelunky. Ça a été. On a eu aucune complétion. Ouais, c'est fou. Là, ça met la barre très très haut pour nos joueurs de demain. Ça, c'est assez évident. Regardons du coup le petit tableau. Et ce petit tableau, il semble indiquer que Devil Tifa, très très bonne posture pour se qualifier à l'ultime finale. Enfin, la proba existe, mais ça paraît c'est infinitésimal. Hein. Je pense qu'on peut d'ores et déjà dire qu'il est qualifié à l'ultime finale. Et Naruto Seb Bro, c'est en. Ils dans sont... un mouchoir de poche. Ils sont en bonne posture. Le problème, c'est qu'être en bonne posture, Naruto Seb, enfin Bro doit se sentir, doit se sentir un petit peu mal. Cute Shadow 1849, fébrile, je pense, Twin. C'est beaucoup, c'est très bien, hein, mais 1850, 1849, il y a de fortes chances que ça ne suffise pas pour se qualifier. Et après, derrière, des mentions, des performances honorables, mais qui ne suffiront pas. Quoi qu'il arrive, Cladol, Vinkaiser, LF, Zigwigwi, respectivement 1803, 1704, 1703 et 1667 points, sachant qu'il manque un jeu à Vinkaiser. J'ai mis 20 minutes pour à peu près estimer le temps qu'il fera, donc on lui fera refaire la fin de son run de Ninja Gaiden 2 pour compléter demain, voilà, pour qu'on ait un classement à peu près qui estimerait le classement de tous ces joueurs. Plus de 1700 points, c'est des gros runs. Zigwigwi, je pense qu'il a fait des contre-perfs, donc il doit être un peu déçu. Mais enfin voilà, ça reste fou, hein, c'est 1667 points, c'est beaucoup beaucoup mieux que beaucoup de gens qui ont participé au Décathlon et qui ont fait les 10 jeux. L'objectif c'était 1500 pour pas mal de gens, en termes de PB, pas en tournoi évidemment. Alors 1849, ça va être compliqué honnêtement. Ouais, quasiment... Là ce coup-ci c'est l'inverse de Tifa, c'est une qualification quasiment impossible je pense. Après si les perfs sont aussi bonnes demain... C'est dur de savoir quels vont être exactement les 4 qualifiés. Hein. Je sais pas si vous êtes de mon avis, en tout cas, Dorian et Twin. Bon, Cute Shadow, là, s'il se qualifie, ce serait un miracle, donc je pense qu'il peut pas avoir de mauvaise surprise demain. Parce qu'a priori, il part battu. Mais s'il se qualifie, c'est un miracle. Du coup, avec son 1849, Tifa, il a aucune pression parce qu'il est sûr de se qualifier. Les deux qui sont un petit peu, je pense, qui vont passer une nuit compliquée. Il va être attaché à sa chaise, ouais. Mais les deux, là, où ils sont seulement à 3 points de différence, ça va se jouer à peu de choses, je pense, la deuxième, la troisième et la quatrième, pas là, ça... En fait, j'ai l'impression, je peux me tromper, que mathématiquement, vu qu'ils sont très proches, Naruto Seb et Bro, soit les trois se qualifient, et un est mis là demain, par exemple, ou alors trois demain et Devil Tifa. Vu que c'est très très proche, il est possible que ce scénario arrive. Vu le 3 points d'écart, ça semble se dessiner. Il est quand même assez peu probable que quelqu'un se glisse entre les deux à 1875 ou 76. Je pense que ça pourrait se dessiner comme ça. Moi, je pense qu'on peut faire deux choses quand même, parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Ce serait prendre quelques mots au moins de sortie de quelques joueurs pour de Cute Shadow à Zigwigwi déjà. Ou au moins de Clado la Zigwigwi pour qu'ils nous donnent quelques mots de leur tournoi et même globalement de la saison, parce que là pour eux c'est du coup la grande finale sonne le glas de cette seconde saison. Je sais que les retours sont positifs, qu'ils sont très contents, et puis c'est pour partager ces émotions avec nous. Donc Clado, Vinkaiser, LF, Zigwigwi, qui du coup quoi qu'il arrive demain ne pourront pas se qualifier. Ils ont fait une performance, une saison globalement incroyable. Donc on va prendre quelques mots, puis ensuite on va essayer de recueillir quelques mots des personnes susceptibles de se qualifier, allant de Cute Shadow à Tifa. C'est n'importe quoi les pronostics sur le chat, il y en a qui disent « Aucun de qualifiés d'aujourd'hui, demain c'est Millet, Moliman et Armentis ». Ah oui non, donc du coup avec Devil Tifa. Hein. Ouais, c'est ça, ils sont... Oui non, Tifa est qualifié, mais c'est proprement hallucinant,
Ça va être hyper tendu demain 15h-23h. Alors on va commencer pour le temps. On remercie Prosper La Real, on remercie tous les commentateurs d'aujourd'hui et ceux de demain aussi. Hein. Il y avait Real Myop, Dorian, il y avait Zangwen, il y a eu Kilai, il y a eu Biwix. Demain il y aura Sinael qui va venir. Je pense avoir oublié personne. Il y a du coup ceux qui nous aident. En plus de Twin et moi, il y a Indigest et Arrest hein, qui s'occupent de la saisie des formules. Vandal qui s'occupe du Twitter. Voilà, il y a toute une équipe, plus des gens qui nous aident ponctuellement. Et je vois que tous les gens sont là. Et on va du coup les débriefer rapidement dans l'ordre du Mumble. On va commencer par Cladol. Du coup, moi je vais vous dire au revoir parce que j'ai un téléphone à rapporter à Real Myop qui l'a oublié à la maison. D'accord. Les vraies missions. C'est la quête de Spelunky. Est-ce que ça débloque un raccourci, Dorian? C'est le 9e jeu à speedrunner. Et ben à demain, Dorian. Oui, bah oui, moi je reviens demain pour commenter Doom 2 et Spelunky encore. Voilà, c'est parfait. Fantastique. Et ben à demain. Et donc, Cladol, globalement, retour sur ce tournoi et puis plus globalement. Ta saison, la deuxième saison de l'Ultime Décathlon. Pour ce tournoi, à part la contre-perf à Doom et à je sais plus quel autre jeu. Super Monkey Ball. Super Monkey Ball. Voilà, le reste, j'ai pas grand chose à redire. C'est vraiment Doom 2 qui me fait un peu de la peine parce que j'aurais pu vraiment égaliser de très peu avec Utshadow. Au moins pour avoir la quatrième place. Ouais, moins j'ai dépassé les 1800. Déjà que j'étais pas sûr de dépasser les 1700. J'ai fait sauter deux paliers. Je me suis dit, pas mal. Au moins il y a 1800. C'est déjà ça. Et sinon, plus globalement sur ta saison, là, comment t'as vécu cette expérience justement UD2, là, cette seconde saison en quelques mots clés, quelques trucs que tu retiendras en termes d'ambiance ou en termes de performance, je ne sais pas. Déjà je retiendrai surtout l'entraide entre tous les runners en général, vraiment au niveau du speedrun, parce que quand on démarre un speedrun tout seul dans son coin, on n'a pas forcément les outils, les aides, les runners, tout ça. Alors que là au moins on est tous avec le même objectif, on est plus nombreux à chercher, plus nombreux à s'entraider, même en allant chercher les communautés qui existent déjà. Donc ça, on va dire que ça donne plus envie de runner les jeux. Quand on sait que derrière, il y a beaucoup d'autres gens avec qui on peut bosser les jeux et s'entraîner. Ouais, c'est un petit... En tout cas, je sais que t'as marqué, t'as particulièrement... déjà, t'as une bonne place au classement général, t'as fait pas mal de petites étoiles, donc t'as brillé en tournoi. Et t'auras marqué, en tout cas, les esprits de cette seconde saison, c'est évident. Hein. Carrément, ouais. T'auras fait partie des runners iconiques hein, que tout le monde a connu dans ce décathlon, que les gens ont suivi, tu as beaucoup streamé, c'était cool. Oui. Oui, et puis j'ai su voler deux étoiles de Ratifa aussi, ils se souviendront de ça. et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Merci, Doom, merci. Ouais, en tout cas, bonne continuation. Après, on vous posera une question transversale qui, forcément, pas de spoil pour l'instant, mais concernera l'UD3. Mais pour l'instant, on ne s'exprime pas là-dessus. On va continuer. LF, oui, bonjour. Ce tournoi, et puis après, globalement, t'as ton expérience UD2. Un peu déçu du tournoi. Une perf sur Doom 2 où je suis mort sur un cacodémon devant la sortie. Ah oui, oh là là. Voilà, il restait 4 minutes, donc j'étais large, j'avais 2 minutes sur mon PB, j'étais 2 minutes devant mon PB. Gremlins 2, le game over sur le boss de fin, bonjour. C'est vrai que ouais, t'as eu 2 coups durs à coup sur coup là. Ouais, et ça m'a un peu démotivé, ce qui fait que Spelunky, j'étais un peu en mode Jean-Foutisme. J'ai même fait le début du Mothership, j'ai débloqué un personnage, je suis retourné dans le menu pour aller le chercher. C'est vrai que tu utilisais le robot sur la fin. C'est ça. T'avais fait un bon début de tournoi, c'est la fin qui a été très difficile. Mais globalement, sinon sur le décathlon, qu'est-ce que tu retiendras de l'UD2? C'était nul. C'était vraiment nul. L'honnêteté franche et sincère d'un homme. Franchement, content que ce soit fini. Communauté désagréable. Hein, tu veux le tif à hautain? Ah, c'est vrai que dans le Mumble on l'entend pas, mais il est souvent hautain, je trouve, hein, pendant les rails. Je ne pas ça, oui. Moi j'ai fait 939 points et tout. Moi je suis premier. Moi je suis déjà qualifié. Bon, bah, certes. Hein, on va faire avec ce qu'on a. Non, à part ça, c'est vrai que je rejoins Cladol avec une communauté vachement soudée. Mais faut vraiment s'entraîner de manière acharnée pour, euh,
pour vraiment arriver à obtenir des performances qui sont satisfaisantes. En fait, t'as des gens qui ont de l'or dans les mains, Millet, Tifa, et t'as ceux qui ont vraiment le temps pour s'entraîner. J'aurais jamais pu obtenir les performances que Cladol ou ça se voit, il y a une marge au niveau des scores maintenant, quoi. Ouais, carrément. Ah. Je trouve pas le téléphone de Realme. Ah bah bravo Realme, parce que tu peux t'appeler là pour faire sonner ton téléphone. Bah je pense, mais j'ai pas un téléphone comme ça, j'ai pas de smartphone. Et le gros chat qui rentre. Ça a l'air d'être ça, je pense. Hein. Je, sans doute, j'en ai aucune idée. Et ben on est content en tout cas que t'aies passé une bonne saison, ça a été très agréable aussi. Hein. Ça a été surtout une fin de saison pas mal avec cette qualification au tournoi de la dernière chance. Et puis une grande finale qui au moins pour les deux tiers s'est quand même vachement bien passé. Et une fin malheureusement plus dur, mais on te reverra peut-être. Mais on attend la question UD3. On la met de côté pour l'instant. Ok. Et ensuite, du coup, on a Vinkaiser. Alors, Vinkaiser, comment s'est passé ton tournoi? Et puis, quelques mots sur ta saison. Jusqu'à Doom, ça allait. Après Doom, je me suis perdu dans. Enfin, j'ai oublié une clé à la fin, donc je me suis perdu dans le niveau parce que j'avais oublié la clé, je savais plus comment faire. Enfin, bref. Un peu la cata. Et après, j'ai usurpé mon pseudo sur Ninja Gaiden. Hein. J'ai eu un petit crash de l'ordi. Ah oui, pas de chance, ça c'est quoi. Ah oui, techniquement, donc tu runs demain. Ouais. Donc tu vas runner de nouveau demain. Ça, ouais. Enfin, ouais. Finir enfin, ton Ninja Gaiden. Pour ce que j'ai fait. Ah, mais c'est pour le top 10, c'est important. Ouais. Ah, mais le top 10, il est mort là. Pas dit. C'est le top 11 maintenant. Ah, c'est... le top 11, ah oui. Bah, le top 11, c'est cool. T'es en bonne posture. Hein. Le top 11, c'est cool. Ouais. Après, très déçu de Gremlins et Spelunky. Enfin, je me suis un peu dit, bon, tout cet entraînement pour ça, quoi. Mais Spelunky, c'était pas mal. T'as fini deuxième à 32-53. Qu'est-ce qui. Bah, oui, en soi, je finis deuxième, c'est cool. Mais j'ai tellement mis d'heures d'entraînement dans Spelunky que faire 32 minutes. Ouais, je comprends l'exception, mais... J'aimerais transmettre ce message à ton toi d'il y a 4 mois qui savait pas finir Spelunky et qui s'est dit j'y arriverai jamais. Oh, 32 minutes, c'est nul. Ah non, t'as fini 3ème. Ah, je suis arrivé à Brother Main. Ouais, mais de peu, quoi. Ouais, de quelques secondes. Mais après, il y a la grande finale. Mais c'est vrai que... Ouais. Globalement, on retiendra aussi ton pibis, parce que le championnat, ça comptait, hein. On se rappellera à la fin, le 12-13 mars, quand on gèlera le championnat. Voilà, il y aura ceux qui auront brillé en tournoi, ceux qui auront brillé au championnat, ceux qui auront brillé sur les deux tableaux. Mais au championnat, t'es bien placé. Ça compte pas pour du beurre. Oui, mais de toute façon, globalement, je suis super content. Mais c'est au final de finir sur ça. Ça me déçoit un peu parce que, en plus, sur Spelunky, je suis parti à fond la caisse. J'avais presque 2 minutes d'avance sur mon PB. Ah ouais, ça c'est. Et je sais pas, c'est parti en vrille. Ouais, mais je comprends. Et du coup, un mot sur la saison avant de passer la parole à Zigouioui. Ouais, plus généralement, je pense que globalement, comme tout le monde, je me suis éclaté. De toute façon, sinon, je me serais pas autant investi parce que j'ai mis beaucoup de temps. Et. Après, comme a dit Cladol, l'entraide entre tout le monde, franchement, c'est vraiment cool. C'est rare les domaines où, quand tu essaies d'apprendre, il y a quelqu'un de plus fort que toi qui te prend la main, qui te dit tiens, regarde, fais comme ça, et le jour où tu le bats, il a pas la rage, il te dit ouais, c'est cool, trop bien. C'est rare les trucs comme ça. Eh bah, c'est cool, c'est l'esprit en tout cas, content que ça ait plu et que ça ait marché surtout. Et puis, du coup, quelques mots, Zigouigou, sur ton tournoi, sur ta saison. Sur mon tournoi, je suis un peu déçu de pas avoir 1700 points, mais le fait que ça se termine comme ça, je suis hyper content. Ça fait du bien, je trouve. Et puis, je suis content de mon Gremlin, je suis content de DuckTales. Ouais, quelques trucs, ça s'est mal passé, mais dans l'ensemble, je suis pas trop déçu. Et ta saison? C'était cool. Je pense que je me suis assez mal pris et que je me suis pas très très bien préparé vu les problèmes de régularité que j'ai eu un peu tout le temps. J'essaierai de moins reset un peu tout le temps à l'avenir, mais je suis assez content de ce que j'ai fait. C'était sympa. Comme on dit là, les Vinkaiser, LF et Clado, l'ambiance était hyper sympa dans l'UD, donc c'était cool. Et puis une dernière question transversale pour tout le monde.
vous répondez avec la nuance que vous voulez, de manière concise. L'UD3. Alors, l'UD3, vous serez là, petite pause, ça dépend quand ça commence, ça dépend du corpus. Alors, en commençant par Cladol. Ça dépend du corpus, ça dépend de si je déménage, ça dépend de si j'ai de la connexion, ça dépend si je suis motivé. La vie compliquée de Cladol. Oui, il y a beaucoup de facteurs qui vont jouer si je participe à l'UD3. Faut que je vois qu'au moment de l'annonce, vraiment pur et simple, si je suis dans les bonnes conditions quoi, pour y participer. Je peux pas dire déjà à l'avance, ouais, je suis sûr d'y être, parce que y a des chances que j'y sois pas. LF, l'UD3 S'il y a Tortue Ninja sur NES, ouais, j'y suis. la pression directe. Non, oui, j'y serais probablement. Mais l'investissement personnel, je sais pas, parce que j'aurais probablement moins de temps encore que ce que j'ai actuellement, donc. Je pense un peu. J'ai vraiment abusé sur le temps de jeu par moment. Ça se comprend, hein, vous inquiétez pas. C'est vrai que le niveau a été complètement fou. Ouais, c'est clair. Ouais. Après, peu importe le corpus de jeu, j'y serai. Ok. Je sais pas si j'investirai autant que ce que j'ai pu faire là ou un peu moins, ça dépendra. Faudra viser le top 100, il y aura à peu près 1000 runners, je pense. On rappelle, hein, c'est convivial, gratuit, ouvert. Tous ceux qui sont dans le public qui trouvent ça cool, n'importe qui peut s'inscrire. Bon, je pense pas qu'on aura jamais ça. La logistique, 1000 runners, oh mon dieu, notez les temps. Il nous faut 3 assists par tournoi, la folie. Non, mais en tout cas, il va falloir parier, je pense qu'il y ait plus de runners. Et ben, en tout cas, on était très contents de commenter vos tournois, les races. De toute façon, voilà, ça a été un plaisir. Et je sais, de toute façon, on va se recroiser ces prochains jours. Mais oui. Bon. Non, c'est ça, moi je vous rejoins carrément sur. Enfin, on s'est rencontrés, on se connaissait pas avant, on s'est tous plus en fait. Enfin, c'est toujours le coup de faire plein de trucs ensemble, bah, à la fin ça crée plein de liens, on s'est tous tout le temps retrouvés sur Mumble, à faire des races, sur Skype, à dire des conneries, à faire des jeux ensemble, et c'est vraiment super, super cool. Mm. Et moi je serai là pour l'UD3. Moi aussi, je pense que je vais mettre un bon coup de pression à la plupart des runners à l'UD3. Je prépare de l'entraînement mental et une rigueur dans l'entraînement qui j'espère se remarquera. Quoi qu'il en soit, bonne fin de journée à tous les quatre. Et si vous pouvez dire à Tifa, Naruto Seb, Bro et Kutshadow de passer, ce serait sympa. Ça marche. C'est bien. Okay. Ça marche. Et bonne soirée. Bonne soirée à vous. Ciao. Ciao. Salut. Donc effectivement, là, donc les quatre autres qui viennent, c'est des runners pour qui c'est pas encore sûr que c'est complètement terminé, même si pour certains, c'est un peu plus compliqué. Et je vois Cute Shadow qui est là, 1849 points. Un petit commentaire sur cette fin de tournoi. Puis après, la fin, elle me laisse un goût amer quand même. Hein. Spelunky, il m'a bien fait pester, hein, honnêtement. Ouais, j'ai eu beaucoup de mal. C'est un peu écœurant, d'autant plus que j'avais pas mal bossé récemment pour me dire que voilà, il faut que je sois constant sur ce jeu aussi. J'avais réussi à faire à peu près autour de 30 minutes très régulièrement, et là, avec les layouts que j'ai eus, c'était impossible, quoi. Je pense que j'aurais pas réussi, quoi, de toute façon. Donc voilà, je suis un peu un mauvais arrière-goût pour Spelunky. Mais le reste, je suis plutôt content, hein, mais Spelunky m'a laissé un mauvais arrière-goût. Et un mot sur sur ta saison de l'UD2. C'était très sympa, surtout l'aspect communautaire, hein, comme disaient mes camarades. On s'amuse bien, faire des races ensemble, on rigole. Voilà, c'est ça le plus intéressant, je pense. Ok, mais en tout cas, on était contents. Contents, parce que t'as été très actif, un runner très performant et très très, très homogène, on va dire, en tournoi. Alors ensuite, on va aller l'autre personne pour qui l'enjeu semble moindre, je sais pas si c'était de mon avis Twin, c'est Tifa. Tifa, un peu moins de pression que Cult Shadow, effectivement, pour le deuxième tour.
Moi j'en ai pas non plus, remarque, hein. Je sais que je passerai pas. Ah bah... d'accord, tu pars vraiment des faits. Bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'a priori, enfin, il y a très 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 peu de chances que ça passe. Ouais, excessivement peu, oui. Mais toi, tu ne peux avoir qu'une bonne surprise. Oui, voilà, c'est ça. Je pars en me disant, je vais pas l'avoir. Puis si jamais j'ai une bonne surprise, bon, c'est très improbable, mais voilà. C'est du bonus. Ouais, c'est du bonus, en fait. Bah, Tifa, c'est l'inverse. C'est qu'a priori, il est qualifié. Ce serait vraiment une mauvaise surprise, un coup de tonnerre si ça suffisait pas. Donc c'est pour ça que c'est... Donc, Tifa, ça serait dingue, hein. Oui. 1939, bon, bah, y a pas besoin vraiment de commenter la performance pour le coup, que je pense que, a priori, tu te sens en sécurité, j'imagine. Je suis content, oui. je pense que ça devrait le faire pour être dans les 4 premiers. D'accord, ça devrait je le faire. Je l'espère en tout cas. Bon, bah, du coup, on n'a pas besoin d'épiloguer parce que toi, on va te retrouver, on aura le temps de reparler avec toi à l'ultime finale, a priori, parce que t'es en bonne posture, donc on pourra s'épancher en long, en large, en travers sur l'UD2. Là, on va plutôt se concentrer sur les deux personnes qui sont dans une position un peu délicate, qui vont peut-être avoir du mal à dormir, au même titre que peut-être les runners de demain, je sais pas. Donc, Naruto Seb et Bro, qui ont respectivement 1877 et 1874 points. Alors, Twin, on commence par qui ? Ah, ils sont tellement égalité, ils sont tout pareils. Faisons par ordre alphabétique. Brother Main, raconte-nous ton tournoi. Qu'est-ce qui s'est passé depuis deux jeux que t'avais la pression ? Bah, il y a eu Gremlins. Voilà. Non, mais. Gremlins, c'était tellement mauvais, ça m'a tout gâché. J'étais assez content de mon tournoi, je me suis arraché sur les 9 jeux, et il y a Gremlins, et ça m'a tout foutu en l'air, et je me sens mal pour ça. Après, c'est 12-20 quand même, c'est pas brillant, mais c'est pas non plus... C'est mon plus mauvais temps depuis environ 3 semaines. Ouais. C'est pas cool, ça m'emmerde beaucoup. Mais le 32-38 sur Spelunky, ça assure un peu la casse quand même. Ouais, bon, ça va, ça sauve un petit peu les meubles. Le problème, c'est que. Il faut que. J'imagine un scénario où demain, il n'y a que Milei, enfin, ou une personne qui se qualifie. Si je veux être de l'ultime finale, ce qui est un peu mon objectif du décathlon, et là, je sens venir gros comme une maison le coup de je suis 5ème à 3 points de la qualification. Ça va me gonfler. Tellement fort. Malheureusement, c'est statistiquement assez probable. Vous êtes dans la tranche, effectivement, un peu en tension entre 1000, les 65 et les 85, quoi, là où la plupart des bons runners vont être. Quoi. Bon, après, bon, je vais pas trop me plaindre non plus parce qu'on a quand même fait des races de ouf. On a créé de l'hype à l'infini pour le chat aujourd'hui, donc c'était bien, mais. Je suis un peu blasé d'avoir fait une aussi mauvaise perte sur Gremlins et que ça m'ait complètement pourri mes chances de. Un petit mot quand même sur ta saison. Bon, sur la saison, c'était bien. c'était super cool. Enfin, je pense que tout le monde a dû le dire, hein, la communauté, tout ça. Tout le monde l'a dû le dire au moins 100 fois, donc je vais pas épiloguer, mais c'est vraiment un événement cool. Principalement parce que les gens dedans sont cool et on s'amuse bien, quoi. Ouais, mais c'est cool. Non, mais même faut pas hésiter à le répéter, hein. Comme ça après il y aura peut-être encore plus de gens qui vont venir pour l'ambiance cool. Quoi, les speedrunners sont pas des gens égocentriques, hautains et. Bon, y en a, hein. Et arrogants, pardon. Ouais. Et Bro, et ensuite Naruto Seb 1877, donc j'imagine un peu la même position que Bro avec un petit peu moins de pression. Si, j'ai quand même de la pression pour demain, hein. Faut pas croire, hein. Sinon, pour en revenir à ce que disaient Bro et Kuchrek, tout le tournoi s'est très bien passé, et il y a eu Spelunky qui m'a un peu plombé, je suis un peu comme Bro pour Gremlins, j'étais très content de tout le tournoi, mais en fait Spelunky ça me plombe un peu tout mon tournoi, alors qu'il est tout simplement fantastique ce que j'ai fait, mais finalement Spelunky il me remet un peu. Bah là vous êtes effectivement ce qu'on disait, je sais pas, avec Twins, mathématiquement c'est intéressant parce qu'il pourrait y avoir qu'un seul qualifié aujourd'hui comme 3. Le scénar où il y en aurait 2 chaque jour finalement semble pas le plus statistiquement le plus probable. Maintenant on se retrouve avec quasiment, soit vous êtes tous les deux qualifiés, soit aucun des deux. C'est largement envisageable en tout cas. Non, ouais, bah c'est que Milley il devrait passer.
Ensuite, Moyman, sa meilleure performance en décathlon, c'est 1873. Ah, bah, tu sais, moi, ma meilleure performance en décathlon, voilà, c'était 1830, et là j'ai fait 1877, je crois. Donc, ouais, donc voilà, peut-être que ça veut dire que vous allez tous les deux vous faire, tous les trois vous faire éliminer. Naoto Sepp, Brotherman et Q-Shadow par Millet, Moliman et Armentis. Voilà. Il y a des chances, mais. Je serais un peu moins blasé si ça arrive. Toi, c'est vraiment le coup de gratter à 3 points de Naruto Seb. Ouais, ah ouais, parce que là, tu ressasses tous les moments où t'as perdu 3 points sur un jeu et tu te dis « Ah, mais si j'avais pas fait ça, si j'avais pas fait ça, si j'avais pas fait ça... » Ouais, donc c'est infini, quoi. Donc en gros, bro, toi, tu préférais que demain, les mecs, ils font tous 1900 plus, enfin 3-4, et du coup, tu te dis « Bon, ok. » Moi, je préfère qu'ils nous atomisent complètement. Ça, je serais moins... Soit ils vous atomisent complètement, soit ils font tous moins bien que vous. C'est quand même les deux scénarios cool. C'est clair. Ouais. Tous. Il y a quand même Millet. Ce serait dur, hein, quand même. Je ne souhaite pas te faire des contre-perfs, après. Non, c'est sûr. Ben, dernier mot, il y a un mot sur le décathlon dans tout ça. Et puis, ben, en plus, chacun d'entre vous, ben, l'UD3, savoir si vous participerez. Concernant ma saison, je suis très content. Parce que j'ai quand même rempli les objectifs que je voulais. Je voulais faire au moins 1900 points sur l'ensemble du décathlon. J'ai fait un peu plus, donc c'est plutôt cool. Donc pareil, au niveau de l'ambiance, ben, tout a été dit, donc il n'y a pas grand chose à redire. Donc une très bonne ambiance, il y a des races tous les jours, tous les soirs. Enfin, c'est vraiment une super ambiance, les runners sont super cool. Donc je vous incite à venir, hein. Il faut vraiment venir, c'est super cool. Et du coup, l'UD3, on va commencer par TDT. Bro, UD3. Oui. Ben, oui, non, j'en serai. Ah, fantastique. Huge Shadow, UD3. Alors, j'y serai certainement pour la bonne ambiance et puis pour les jeux qui m'intéressent, mais je pense pas m'investir au point de l'UD2. Enfin, ça dépend, après, ça dépend pas mal de facteurs, mais je pense pas, parce que ça a pris quand même beaucoup d'énergie, parce que j'ai quand même un boulot, quoi, donc bon, de faire le boulot, plus, voilà, quoi, c'est compliqué, hein, ça, il y a, pendant 4 mois, c'était quasiment boulot, grind, un dodo aussi, quand même, et voilà, quoi, donc je sais pas, ça dépendra de mon état de... Voilà, de mon envie, de l'envie de jouer au jeu, quoi, voilà. Mais je pense, c'est sûr, c'est que j'en raiderai quelques-uns, quoi. Histoire, si jamais on fait une race par équipe ou tout comme ça, que je puisse faire des choses, quoi. Ça, c'est sûr. Alors, juste avant d'interroger les autres sur le D3, il y a quelqu'un qui dit, non, en fait, le pire scénar, on l'a pas envisagé, le pire scénar pour Bro, c'est que Tifam, il les passe, Naruto passe, et Moliman se glisse à un point devant lui. C'est... Ou à égalité, encore pire, on ne saura pas les départager. À égalité, je pense qu'on vous leur refait faire un décathlon. Un décathlon par jour pendant les 10 prochains jours, et puis... un décathlon. Donc, ceci dit, ce serait très très drôle. Allez, c'est reparti. Alors, demain, il restait Tifa et Naruto. Donc Tifa, UD3. Oui, bien sûr. Okay, c'est une assurance, c'est cool. Juste le temps de trouver un travail et après je serai prêt. D'accord. Et Naruto? Tout dépendra des jeux. D'accord, ça dépendra du corpus. Hein. Mais bon, pas autant que UD2. D'accord. Ça c'est sûr. Ok. Ah, du coup, je pourrais peut-être faire jeu égal avec toi, si tu t'invites. C'est ça le but. Il va y avoir des nouveaux runners, des nouveaux Naruto, des nouveaux Millet, des nouveaux Devil Tifa. Et les gens de l'UD2 seront les gens sages qui savent, qui ont déjà l'expérience et qui apprennent beaucoup plus vite. Donc vous vous investirez beaucoup moins, mais vous ferez les mêmes performances. C'est clair. Ce serait cool. Et bah en tout cas, on se revoit demain, j'imagine qu'on vous croisera de toute façon sur le chat quand même. Un coup, on n'enchaîne pas là? On n'en fait pas une autre? Je croyais que c'était le coup d'essai, moi. Et non, l'échauffement. Demain, moi perso, je serai pas là, mais je vous soutiendrai moralement. Moi non plus, malheureusement. Voilà. On vous enverra des textos. Voilà. D'accord. Mise à jour. je vous appellerai, je dirai alors, je suis qualifié ou pas. Ah, Yazigou qui dit si chacun s'investit moins, je vais peut-être m'investir plus. Il y a une ouverture, vite. C'est, en fait, je pense que les gens s'investissent en moyenne autant que les autres s'investissent. Il y a une émulation positive vachement forte. Et on est toujours tiré vers le haut. Ouais, on est tiré vers le haut, c'est ça. Et c'est je pense ça. Que... En fait, l'autre technique, c'est peut-être de s'investir beaucoup plus tard, faire une home pins. Vous avez déjà plein de ressources. Vous arrivez genre un mois et demi après le début. Il vous reste quand même plein de temps, mais au moins vous êtes reposé. Et...
ça vous permet le temps de faire des jeux à côté tranquillement. Et ben en tout cas bonne fin de soirée, on rappelle quand même pour les gens demain 15h 23h sur cette même chaîne, nous aurons Milem, Moliman, Armantis, Pumpins, Gref Fox, le Chamout, Ed et les Brainstorm qui vont runner. Et parmi ces 8 plus 8 joueurs, donc parmi ces 16 joueurs, 4 se qualifient à l'ultime finale et ce sera les dés seront jetés demain, on saura ce qui va se passer et on retrouvera les 4 meilleurs dans 2 semaines à l'ultime finale IRL. Et de toute façon tous les runners seront là en tant que, enfin, beaucoup seront là en spectateur, donc c'est cool. Bonne fin de soirée à vous, du coup tous ceux qui sont là sur le Mumble, les gens sur le chat, tous les gens de l'équipe, voilà, plein de bisous à tout le monde. Et je laisse à Twin le mot de fin, le bisou final. Ah, le bisou final, ben oui, des bisous à tous. On ne serait rien sans vous. Et on vous retrouve demain de 15h à 23h pour la deuxième partie de cette finale avec Milem, Moliman, Armantis, Humpins, Grey Fox, le Chamout, Edel, Brainstorm. Est-ce que Q-Shadow va rester? Est-ce que Bro va rester? Est-ce que Naruto Seb va rester? Est-ce que Devatifa va rester? Voilà, vous pouvez vous reposer, réfléchir à tout ça. Et on se retrouve demain ici pour plus de l'ultime décathlon. Ouais, et puis il y a quoi après d'ailleurs, c'est toi qui sait qui enchaîne par politesse. Il y a par politesse, ouais, donc je suis allé voir avec les mecs et on est tout seul, donc voilà, vous pouvez éteindre la télé et il n'y a rien, pas de programme après nous. Je veux dire, après une grande finale, on peut dire là on se fait une petite reste, je pense que tout le monde là c'est le coup de marteau là, c'est une grande finale. On fait un décathlon, on se fait les 10 jeux de l'UD1 CDV. Ah là là, et ben des bisous.